Bienvenue dans votre mission, le temps de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur A+243 et à ciel ouvert, chaîne chrétienne, sur notre page Facebook et sur YouTube, à ciel ouvert officiel TV. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes habitués à voir son visage sur notre plateau. L'homme de Dieu, le prophète John Dubois. On va continuer notre sujet qu'on avait débuté, l'esprit d'erreur. Comment combattre l'esprit d'erreur? Plusieurs personnes continuent à vivre avec cet esprit. Il y en a qui se posent des questions. Comment je dois faire? J'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie. J'ai besoin de m'en sortir. Je crois par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu va nous expliquer en long et en large comment combattre cet esprit et comment vivre paisiblement. Par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu va nous répondre. Je veux le saluer tout de suite. Shalom, homme de Dieu. Shalom, servante de Dieu, Veritas Mbuki. Comment tu vas? Extrême grâce. Le Seigneur nous fait du bien, donc on est là par sa grâce. Merci beaucoup. Ta caméra, elle est juste là. Tu es un habitué de notre chaîne. Okay. Et le ciel ouvert est tellement suivi. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Vous êtes responsable de l'église, le baptiseur de vie en Christ. Exactement. C'est vrai que je suis le visionnaire d'une église ici à Paris, précisément. L'adresse est sur Dirie Saint-Claude, Paris, 3e arrondissement. Donc, je suis le pasteur titulaire et avec plusieurs pasteurs, serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes en train de faire un grand travail ici à Paris et précisément en France. Comme la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment avec mon réalisateur Ali Salah. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, tu es un grand soutien pour moi et pour cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur te rende au centuple et merci à ton épouse Hermine Salah et à toute ta famille. L'homme de Dieu, ce sujet est délicat. Okay. Je pense qu'on va continuer sur ce sujet. D'accord. Comment combattre l'esprit d'erreur? Déjà, c'est quoi un esprit d'erreur? C'est qui? C'est quoi? Est-ce que c'est une personne? Voilà. Gloire à Jésus, servante de Dieu. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur qui nous a donné cette opportunité d'être là, présent. Et je bénis aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ces moments, où que vous soyez. Vraiment, restez scotchés parce que le Seigneur vous bénira. Alors, la dernière fois, nous avons eu à partager sur ces sujets qui est vraiment très capital. Nous avons pu expliquer sur l'esprit d'erreur. Je nous ai dit que l'erreur est humaine, comme nous connaissons cet adage. Mais quelqu'un a dit aussi, lorsque vous persévérez dans les erreurs, cela est diabolique. Alors, c'est vrai qu'il nous arrive tous de commettre des erreurs, mais on peut aussi comprendre que la plupart des gens, leur vie ont été détruites à cause de cela. Voilà pourquoi le Seigneur, après que j'étais en train de prier, Dieu m'a parlé, m'a dit, « Mon fils John, tu dois expliquer ces choses. » La Bible nous révèle trois choses. La Bible nous révèle la volonté de Dieu, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu opère. De deux, la volonté du diable, c'est aussi comment le diable opère, parce que la Bible nous montre comment le diable opère. Troisième des choses, la Bible nous montre les faiblesses des hommes, ou je peux aussi dire les erreurs des hommes. La Bible ne nous a pas caché l'histoire, par exemple, de quelqu'un comme Samson, qui était un homme très puissant, un homme que Dieu utilisait puissamment. Et c'est d'ailleurs à travers lui que le Seigneur avait dit qu'il allait commencer à délivrer son peuple sous la domination, bien sûr, des Philistins. Mais par contre, nous avons vu, à cause d'une erreur, comment est-ce que le ministère de Samson s'est arrêté. Et au final, le monsieur était même mort. Vous voyez? Donc, l'erreur est humaine, bien sûr, mais une erreur peut détruire ta vie. Alors, la majeure partie de gens ici sur la terre, nous plairons à cause de cela. Alors, je ne dis pas qu'on ne commettra pas des erreurs, mais je suis en train de dire, il faut éviter de multiplier des erreurs,
Parce que sinon, ta vie peut être gâchée et détruite à cause de cela. Vous savez que la plupart des gens, servants de Dieu, vous serez d'accord avec moi, souvent, d'autres personnes, ils disent souvent, aujourd'hui, je regrette à cause de mon passé. Je regrette par rapport à certaines erreurs que j'avais commises. Si je connaissais cela ou si je savais, je n'allais même pas faire ce que j'avais fait quand j'étais encore plus jeune. Donc, on peut bien comprendre que la plupart des gens pleurent aujourd'hui à cause des erreurs commises. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit de parler sur les astuces qui peuvent faire en sorte que nous ne puissions pas multiplier les erreurs. J'en ai dit, j'ai noté 10, mais peut-être je vais peut-être évoquer 4 ou 5 dans cette émission. Donc, les 10 astuces pour ne pas multiplier les erreurs. Déjà, avant qu'on puisse parler des astuces pour ne pas multiplier les erreurs, tout à l'heure, tu as dit que beaucoup regrettent leur passé. Ils disent, Exactement. si j'avais su, je n'allais pas commettre cette erreur. Si Exactement. j'avais écouté, je n'allais pas tomber dans ça. Exactement. Il y a l'influence aussi. On peut dire, il y a certaines personnes qui sont tombées dans les erreurs parce qu'elles ont été influencées. Et il y a des personnes aussi qui sont tombées dans les erreurs. C'est dû aussi à des liens familiaux. Est-ce que aujourd'hui, avant de donner les astuces, l'homme de Dieu, j'aimerais bien vraiment que tu puisses expliquer à un bien-aimé, à un frère, à une sœur, qui nous regarde par exemple, qui se culpabilise par rapport à son passé. Mais les erreurs sont déjà commises et c'est pas possible de réparer. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Oui, en fait, je serai toujours obligé de donner des astuces parce que peu importe le regret que la personne peut y avoir par rapport à son passé ou voilà les erreurs commises, il faut toujours savoir qu'est-ce que tu dois maintenant faire pour ne pas pour ne plus tomber dans ces mêmes erreurs. Ou soit tu peux aussi orienter les autres, vous voyez? Parce que peu importe voilà les acteurs ou la provenance de ces problèmes que vous avez commis, bah, c'est toi qui vas toujours subir, vous voyez? Donc c'est pour cela, c'est important d'expliquer ces choses, de nous montrer comment il faut éviter cela. Par exemple, si quelqu'un dit, j'ai été influencé par les autres, si je fais ça, c'est pas parce que je voulais tomber dans ça. C'est-à-dire, c'est ton ignorance qui t'a poussé dans ça. Parce que si tu avais de la connaissance, tu n'allais même pas tomber dans l'erreur que tu as commise. Donc, il faut maintenant expliquer à cette personne-là comment tu dois maintenant faire pour éviter cela. Parce qu'il y a des gens, malgré les erreurs commises, vous allez remarquer que la personne continue toujours à multiplier les erreurs. Vous voyez? Et ça, c'est tout un esprit de foi. Mais on peut dire Ça, que c'est un esprit aussi. oui, bien sûr, ça peut être un esprit d'ignorance. Parce que ça vient dans beaucoup de choses. Ça peut être un esprit d'orgueil. Ça peut être un esprit de têtutesse, d'impolitesse. Vous voyez? Ou ça peut être aussi l'influence de l'environnement. Donc, mais dans tout ça, le diable aussi, j'allais dire, peut être derrière ces choses pour vous détruire, pour vous désorienter. Et c'est parmi des choses qui combattent des destinées. Parce que j'ai donné l'exemple, par exemple, de Samson. Samson, sa course s'est arrêtée à cause d'une erreur. À cause d'une femme. Exactement. On peut aussi bien voir que Ruben avait commis une erreur. Et il a perdu, bien sûr, la prééminence parce qu'il est allé coucher avec la femme, la concubine de son père. Donc, une erreur qui lui a coûté la prééminence. Judas, pareil, une erreur lui a coûté, bien sûr, la royauté. Quand j'ai dit Judas, vous savez ce que Judas a fait. Il est allé avec la femme de son fils, son fils. Et l'acte qu'il avait commis, c'était un acte incestueux. Et cela lui a coûté la royauté pendant 10 ans, 10 siècles, j'allais dire, 10 générations, j'allais dire, qu'il n'y avait pas un roi dans la tribu de Juda. Alors que Dieu avait dit, Jacob avait dit, que la royauté ne s'éloignera pas de Juda. Mais lorsque Juda avait commis cet acte, il a perdu la royauté pendant 10 générations. Voire même le premier roi en Israël, c'était un roi qui est venu de la tribu de Benjamin. Alors que Dieu avait promis que le roi sortira que de la tribu de Juda. Donc pendant 10 générations, il a perdu cela. C'est comme ça qu'il est important de donner quand même des astuces qui peuvent nous orienter, nous éclairer à ne pas tomber dans l'erreur ou à multiplier des erreurs. Alors, première astuce, servante de Dieu, c'est
Éviter d'en faire trop. Éviter d'en faire trop, c'est-à-dire, quand je dis éviter d'en faire trop, c'est-à-dire multiple des tâches ou multitâches, multiplier des tâches. La plupart des gens ont fait des erreurs parce qu'on est un peu vacillé, on est ça et là, on est éparpillé, vous voyez, on n'est pas focus, on n'est pas concentré. Beaucoup de gens aiment bien dire je suis généraliste, mais c'est bien, mais d'un autre côté, lorsque tu vis de cette manière, tu seras peut-être concentré dans quelque chose, mais pas dans l'autre. Et tu peux multiplier des erreurs. On ne doit pas seulement être des généralistes, on doit être des spécialistes. Rester focus, rester concentré. Et beaucoup de gens, même dans les domaines de relations, tu vas voir par exemple, la personne est éparpillée. La personne a plusieurs relations, il entretient de relations avec plusieurs hommes, plusieurs femmes. Et cela peut te désorienter. Mais prophète, quand on dit qu'il faut éviter d'en faire trop pour qu'une personne puisse commettre aussi trop des erreurs dans la vie, donc ça a commencé par une racine, ça vient de quelque part. Donc ça peut être aussi une enfance ratée, une enfance abandonnée, une enfance blessée. Une personne dit, bon, moi je vais commencer à vivre vraiment fou, donc je vais multiplier des relations, je vais faire telle conquête parce que mon cœur a été blessé. Et c'est là aussi ça peut pousser une personne à commettre beaucoup d'erreurs. Mais exactement, c'est là où on est en train de dire qu'il faut faire très attention parce que lorsque vous faites ces choses par ignorance, cela peut détruire toute une destinée. Vous voyez? Donc, ton ignorance ne t'épargnera pas dans l'échec. C'est comme ça la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que le mot connaissance et le mot lumière ont la même racine. Lorsqu'on dit ignorance et le mot ténèbres aussi, c'est la même chose. Donc quand quelqu'un ignore certaines choses, dis-toi que tu es dans le noir. Alors nous ne voulons pas que les gens persévèrent dans ça, que les gens continuent dans ça. Peu importe ton vécu, peu importe si par exemple tes parents n'ont pas su t'orienter ou ils n'ont pas pu t'orienter, mais quand tu grandis quand même, tu dois quand même savoir comment je dois Mais marcher c'est pas pour donné ne à pas tout le monde, tomber. homme de Mais c'est Dieu. là où nous sommes là maintenant pour aider ces gens. Si Dieu nous a Pourquoi envoyés, c'est pour aider ces vous, gens. les hommes de Dieu, vous pensez toujours ce sont des esprits? Parce que aujourd'hui, on peut voir chez les Blancs, ils vont voir des psychologues, des psychiatres pour se faire soigner, pour comprendre le mal-être, le problème, la source. Pourquoi aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous voyons tout est spirituel? C'est vrai, c'est parmi des astuces que j'allais donner tout à l'heure, mais vous Ok. m'avez précipité par rapport à cela. En fait, déjà, je n'exempte pas la responsabilité de l'homme. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Ok. Dieu a créé l'homme, il a aussi donné à l'homme le choix, le Ok. libre arbitre. C'est-à-dire, l'homme peut choisir. Mais dans tout ce que nous faisons, il faut aussi dire. Il y a l'esprit de Dieu, parce que dans ce monde, on a trois esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable, il y a aussi l'esprit de l'homme. Donc l'homme peut commettre une erreur, mais souvent derrière des erreurs que nous faisons, le diable appuie. Vous voyez? Donc ça peut venir de toi, mais le diable peut appuyer cela. Parce que c'est vrai que j'ai prêché une fois, j'ai dit, le diable n'est pas omniscient, mais le diable peut comprendre tes mouvements. Vous voyez? Il peut comprendre tes faiblesses, ce que tu aimes. Parce qu'il faut aussi dire que le diable, il. Pourquoi on associe, c'est pas dit que je ne crois pas au diable, je suis chrétien, servant de Dieu, mais pourquoi on associe tout le diable toujours? Non, Il y a des. on n'associe pas le diable en tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok. Mais j'ai dit que souvent, les erreurs que nous commettons, le diable amplifie cela. Ok. La volonté peut venir par toi, parce que, comme je disais, l'homme n'a pas été créé comme un robot, mais le diable est toujours derrière ce qui est mal. Et il sait comprendre le mouvement de l'homme pour te désorienter. Vous voyez? Okay. Il peut même utiliser quelqu'un pour que cette personne-là puisse te désorienter. Entre dans ta Parce destinée. que, écoutez, entre toi et moi, on peut bien comprendre qu'Adam et Ève, ils n'avaient pas de lien, mais le diable, il a réussi à les détruire. Vous voyez? Parce qu'il tente, il essaye. Vous voyez? C'est comme ça, il est important de comprendre comment maintenant faire en sorte que je ne puisse pas tomber dans l'erreur. Comment ne pas faire, comment faire plutôt pour ne pas multiplier les erreurs. C'est comme ça que le Seigneur m'a envoyé pour donner ces astuces. Ok. Donc là, je suis en train de dire, servant de Dieu, que lorsque quelqu'un est éparpillé,
Cela peut faire en sorte que la personne puisse tomber dans l'erreur ou multiplier des erreurs. J'attends beaucoup de gens disent, moi j'aimerais bien avoir 3, 4 femmes, 5 copines, et puis je vais d'abord voir tester. Mais tu peux te retrouver dans 5 relations sans les savoir. Et c'est un problème du cœur. Et tu peux être attaché dans toutes ces relations et ça devient aussi compliqué pour toi. Voyez, donc c'est des choses qu'il faut éviter. Donc mon frère, si tu es dans 4 ou 5 relations, il faut savoir comment t'en sortir des. Voyez, deux fois on s'est dit je tente, je vais d'abord voir, mais souvent tu peux tomber dans une erreur où tu n'arrives plus d'en sortir. Voilà, tu n'arrives même plus à s'en sortir dans ces genres de relations. Donc ça c'est de un. Deuxième astuce, c'est éviter la distraction, vous voyez. Quelqu'un a dit la distraction crée l'échec, vous voyez. Et lorsqu'on parle de la distraction c'est le manque d'attention. La plupart des gens, en fait, ils ne sont pas concentrés. Pourquoi ils multiplient les erreurs? Parce qu'on n'est pas concentré. Dès que tu es dans une relation, dès que tu es dans un endroit, tu ne te poses pas de questions. Tu ne te concentres pas. C'est comme si on est en train de te berner, on ne te conduit que par les gens. Tu n'arrives même pas à bien réfléchir. Entre-temps, la distraction crée l'échec. Ça peut être aussi l'environnement. Tu es dans un environnement qui est un environnement hostile. Rester focus. Il faut rester focus. Donc, sois concentré dans ce que tu fais. Et beaucoup de gens ne sont pas concentrés. On est éparpillés, on est ça et là. Et c'est là où le diable en profite. On doit être concentré. Concentré, c'est-à-dire réunir ta conscience, réunir ton intelligence. Quand tu es dans une relation, tu dois réunir ton intelligence. Il y a des gens, dès que tu entres directement, tu as l'impression comme si tu perds même tes facultés. Donc, pour toi, c'est d'abord le mariage. Tu n'es pas concentré. Après, quand tu vas faire des enfants avec le monsieur ou la dame, la personne va commencer à se poser tant de questions. Si je savais, mais pourquoi tu n'as pas su avant? Mais en fait, dans ça, qu'est-ce que tu la distraction? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par les relations, une personne, quand on rentre dans une relation, tu dois être concentré d'abord par toi-même. Exactement. Concentre-toi sur la chose. C'est-à-dire, tu dois faire quand même des investigations. Tu dois comprendre je suis où, même dans le domaine des affaires. Concentre-toi, ne prends pas des choses à la légère, même dans les choses des dieux. Concentre-toi, réunis ton intelligence. Tu sais que même dans les choses des dieux, j'ai l'impression même aujourd'hui, lorsque quelqu'un commence à prier, c'est comme si la personne avant, elle était intelligente, mais dès que la personne a commencé à prier, il est devenu, excusez-moi, un peu idiot. Donc, on l'amène comme ça chez un pasteur, on lui fait des choses sans que la personne puisse réfléchir. Donc, la personne n'est plus concentrée. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est en train de parler du diable, mais à un moment, il faut aussi réfléchir. Dieu, lorsqu'on donne notre vie en Christ, Dieu ne zappe pas notre intelligence. C'est comme ça, vous allez remarquer, par exemple... On voit trop de choses, homme de Dieu, dans l'église, vous les hommes de Dieu, j'aimais vous, hein, parce que tu es un homme de Dieu. Oui, bien les sûr. Pasteurs, ils abusent. On voit des délivrances, des gens... Le pasteur, mais certains pasteurs, ils abusent aussi. Vous savez, dans tout ça, moi, j'ai dit aussi, c'est parce que la plupart de fidèles, c'est comme si dès que vous commencez à prier, tu n'es plus intelligent. Alors que Dieu ne zappe pas ton intelligence. Tout à l'heure, tu as dit le mot. Qu'est-ce qui vient qui rentre dans cette idiotie-là, dans tout ça-là? C'est quoi, en fait? C'est quoi, mais je pense qu'ils n'ont même pas le temps de réfléchir. Il faut réfléchir. Vous savez, lorsque l'apôtre Pierre est sorti de la prison, la Bible dit qu'il a vécu le miracle. L'ange est venu, il a délivré Pierre dans la prison. Mais dès qu'il a franchi la grande porte, la portail, il a réfléchi. Il a pensé là où il devait y aller. Il a réfléchi, vous voyez? Donc, on ne peut pas zapper notre réflexion. Tu dois réfléchir sur le pasteur qui vous prêche. Réfléchis. Est-ce que c'est que le pasteur est en train de faire là? C'est vraiment biblique. Donc, c'est ça le problème avec les gens. On n'est pas concentré sur... Même nous, je suis congolais, dans notre pays, tu vas voir, les gens, ils acclament même certaines choses qu'ils ne doivent même pas acclamer. Les gens ne réfléchissent plus. Donc les gens ne sont plus concentrés. On peut dire qu'ils sont. C'est le secte, c'est plus l'église. C'est la manipulation spirituelle. Il y en a qui touchent au fétiche aussi, certains hommes de Dieu. Parce que quand tu dis là, il y en a qui ne réfléchissent plus, ils acceptent tout. Donc on voit beaucoup dans les réseaux sociaux. On voit beaucoup, 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 beaucoup. On veut dire quoi? C'est la sorcellerie alors, c'est plus l'église. Oui, mais bien sûr, si vous êtes chrétien, comment on peut vous envoûter jusqu'à ce niveau?
Moi, je parle de la réflexion, c'est-à-dire la réflexion ou la concentration vient quand la personne réfléchit. Mais le jeune ne réfléchit pas assez. Et lorsque vous ne réfléchissez pas assez, dites-vous que le diable a la facilité de vous désorienter. En avance, homme de Dieu, évitez la distraction. Là, Exactement, on va éviter la continuer distraction notre. Oui. et savoir prioriser de bonnes choses. C'est-à-dire, Prioriser. si vous voulez éviter les erreurs, il faut savoir prioriser les bonnes Bien choses. C'est-à-dire, compris. quand on dit prioriser, c'est-à-dire mettre à la première place la première chose, la première des choses, la bonne chose. C'est comme la parole nous dit, premièrement, cherchez le royaume de Dieu et tout sera vous donné par-dessus. C'est-à-dire mettre la première chose à la première place. Vous voyez? Savoir prioriser, en fait, par exemple, ton mariage. Tu vas voir, par exemple, quelqu'un peut être dans une relation, mais ne savent pas prioriser son homme, prioriser sa femme. Et ça, c'est une erreur. Vous mettez le genre au même pied d'égalité que tout le monde. Tu ne peux jamais mettre ton homme au même pied d'égalité que tout le monde. Tout à Tu ne fait. peux pas mettre ta femme au même pied d'égalité que tout le monde. Tu ne peux pas mettre ta femme au même pied d'égalité que tout le monde. Tu ne peux pas mettre ton pasteur au-dessus de ton mari. Ah, ça, on voit ça beaucoup. Ça, c'est Il y une a erreur. certaines femmes qui préparent pas à la maison, mais ils Mais préfèrent mettre c'est une le erreur. pasteur Tu vas voir avant. quelqu'un, la femme laisse sa maison, elle te dit que je pars à l'église, on a la prière, mais tu dois d'abord s'occuper de ta maison. Donc, ce sont des erreurs. Après, lorsque ça va barder dans la maison, la personne va dire, ah oui, mon mariage, ça ne marche pas, on doit prier. Mais c'est toi-même. Qui a ouvert la Donc, porte. c'est un peu ça. Donc, savoir prioriser, mettre la première chose, j'allais dire, à la première place. Donc, tu dois savoir comment prioriser les choses de Dieu, prioriser le travail, prioriser tes parents, ta famille. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, quatrième astuce. Troisième, ah, quatrième. Troisième, c'était savoir prioriser de bonnes choses, mettre la première chose à la première place. Quatrième, c'est chercher la vraie source de tes problèmes. Vous savez, beaucoup de gens, lorsque nous commettons souvent des erreurs, on met souvent les gens devant nos problèmes. Quelqu'un va dire, ah oui, ce n'est pas moi, c'est le père de mes enfants, c'est la femme qui était là. Mais il faut d'abord savoir aussi d'où vient peut-être la source de tes problèmes. Peut-être ça peut être aussi ton comportement, ton caractère. Tu parles mal, tu vois. Peut-être ce n'est pas, c'est manque d'attention, comme je disais. Tu n'arrives pas à prendre tes responsabilités à main. Parce que des fois, nous pointons que le doigt sur les autres, alors que le problème, ça peut être toi-même. C'est comme ça, la Bible dit, examinez-vous vous-même. On a tendance aujourd'hui à juger les autres, mais nous-mêmes, on n'arrive pas à voir ce qui se passe dans nos vies. Donc tu dois savoir la source de tes problèmes. Donc ça peut être toi, ça peut être ton entourage, ça peut être tes amis, ça peut être l'environnement, ça peut être la famille. Voyez? Donc dès que vous connaissez ces choses, vous pouvez donner maintenant de bonnes réponses. Mais lorsque vous ne comprenez pas ces choses, vous n'examinez pas ce qui se passe en vous, vous allez commencer à attribuer vos problèmes aux autres. Ah, si je suis devenu malheureux, C'est à cause. Faut c'est qu'on à arrête cause. d'accuser Non, les non, autres. il faut qu'on arrête. Donc, on doit détecter la source de nos problèmes. Parce que beaucoup de gens aiment bien pointer du doigt. Par exemple, David, il est tombé avec Bathsheba, mais c'était son erreur. Ce n'était pas quelqu'un qui l'a poussé. Vous voyez? C'est parce que David, il était distrait alors que les autres étaient allés combattre l'ennemi. Mais David était sur son balcon en train de regarder et puis jusqu'à ce qu'il est tombé avec la femme de son soldat. Donc, il faut vraiment faire très attention par rapport à cela. Donc, connaître la source de ses problèmes, la vraie source de ses problèmes. Cinq, c'est bannir l'esprit d'orgueil. Bannir l'esprit d'orgueil. L'homme de Dieu, je crois, va s'arrêter là. Les cinq autres, on va revenir la semaine prochaine pour expliquer aux hommes de Dieu. Donc, Exactement. bannir l'esprit de l'orgueil. Ok. C'est fort, ça. Je vais vous Exactement. laisser quelques minutes. Oui, en fait, vous savez, l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. La plupart des gens, on commet les erreurs parce que tu es tellement rempli de toi-même. Tu ne veux même pas qu'on puisse te conseiller. Égoïste. Lorsqu'on te parle, tu connais tout, on ne peut pas te reprocher. Et la plupart des orgueillers ou orgueilleuses, ils ont des hautes opinions. C'est-à-dire, ce que lui dit, c'est comme si c'est l'ainsi dit l'Éternel.
Tu ne peux pas changer ce que toi tu dis. Il y a même certaines personnes qui disent, moi je ne change pas. Je suis comme ça. Moi je ne suis pas hypocrite. Ça, ce n'est pas l'hypocrisie, c'est le manque de sagesse. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est comme ça que vous allez voir, la plupart de relations ne s'en tiennent pas parce que la personne est orgueillée. Orgueilleuse. Tu ne veux pas qu'on puisse te reprocher. L'humilité, c'est parmi les armes spirituelles. L'humilité précède la gloire. Exactement. Voilà, les enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse partout dans le monde, vous qui suivez à ciel ouvert chaîne chrétienne. Vous êtes très nombreux à nous suivre, nous bénissons le Seigneur. Et à plus 243, votre chaîne d'actualité congolaise, vous pouvez suivre tout ce qu'il faut comme info sur à plus 243. Homme de Dieu, un mot pour la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière pour une personne, c'est que le Seigneur vous épargne de tous ces combats qui vraiment s'acharnent contre vous. Parce que c'est vrai que nous sommes des êtres humains, mais Dieu veut que nous puissions exceller. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Alors cet esprit d'erreur qui te combat, je viens mettre fin à cela au nom de Jésus-Christ. Et je tiens à remercier aussi la servante de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre frère aussi, Ali Salah, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Merci Merci. beaucoup, homme de Dieu, toujours présent dans notre vision. Merci Gloire à dès le Jésus. début, tu es toujours là. Nous bénissons le Seigneur pour Gloire à ta Jésus. présence. Voilà, bienvenue dans les Seigneurs. Nous sommes à la fin de notre mission. Nous allons revenir avec l'homme de Dieu la semaine prochaine pour continuer comment s'en sortir de l'esprit d'erreur. Nous commettons tous des erreurs, mais nous pouvons aussi le réparer. Car notre Dieu nous donne le souffle de vie à chaque moment et nous pouvons rebâtir à nouveau et partir dans un nouveau départ. Oublier les choses anciennes, car il va faire une chose nouvelle qui est au point d'arriver. Et je crois que c'est pour toi ce message. Nous sommes situés à Saint-Denis. Vous allez voir nos coordonnées en bas de l'écran. Si vous voulez passer sur notre plateau, n'hésitez pas. Nous allons vous accueillir avec un témoignage, une prédication. Vous voulez parler de la part du Seigneur, nous sommes disponibles. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie Ali Salah pour la réalisation. Grand frère, toi-même tu sais, notre Dieu est fidèle. Je suis très fière de toi et il y a de bonnes choses qui arrivent. À plus 243, toujours en haut. Shalom à tous, à bientôt.